Bonjour à tous, ici Sprilex et bienvenue dans ce sixième épisode de Let's Play sur Immortals Phoenix Rising. Nous sommes donc au temple, enfin c'est dans le domaine des dieux. Et on va choisir notre prochaine destination. Port ici. Vaincre des animaux. Alors, fouiller les coffres facultatifs des cryptes du Tartare, collecter l'ambroisie, mener à bien les défis mythiques, et on fait les agrandissements. Avez-vous vu les fleurs géantes qui poussent sur l'île d'or? Elles sont belles, on les trouve généralement près de l'eau. Gros grand et moche, vaincre Kotos l'omniscient. Collecter des figues de l'Olympe, 4 sur 5, collecter des potions de défense, 2 sur 2, très bien, ça je vais le faire facile. Et enfin, règle spéciale, pas d'aptitude, mener à bien la crypte, en moins de 2 minutes 8 et en moins de 1 minute 44, ok. On va peut-être pas le faire tout de suite, on a déjà des choses à faire. Non, c'est pas ici, c'est l'autre. Voyons un peu nos quêtes. Très bien. Donc, nous sommes ici. On va devoir... Non, donc ça c'est la carte aptitude. Bon, ben, en fait, on peut faire un peu dans l'ordre qu'on veut de ce que je vois. Bon, ben, on va essayer de faire Vallée de l'Éternel Printemps, hein. D'abord, on va explorer un peu de loin, comme ça, en zoomant les environs. Coffre. Crypte Tartare. Les défis. Allez. Voilà, ambroisie. Donc là-bas, de la souffrance naît la beauté. Explorer la région depuis la statue d'Aphrodite. Bon, bah, on va faire ça déjà de base. On va faire très bien. Donc là on est parti. Alors par contre j'ai de l'endurance limitée. Qu'est-ce qu'on a ici? Une harpie déjà. Alors, deux harpies même.
Et une harpie en moins. Non, ça va, c'est... Bon, elle vise mal. Je prends. Voilà. Alors. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'il y a ici? Comment je fais pour remonter à partir d'ici? Ok, donc. Allez. J'ai fait une bêtise. Dans ces cas-là, on regarde les cartes. Déplacement rapide et on y retourne. Donc c'est là en dessous que je voulais voir. Mais oui, t'en fais pas, tu vas voler. Si je me trompe, ça va pas non plus. Recharger la dernière sauvegarde. Bon. C'est bien marrant. On y retourne. Voilà. Alors ici. C'est quoi ces fantômes? Je sais toujours pas. J'en ai aucune idée. Alors, il faut que je prenne un rocher. Tiens, on voit là un... Non. Ok, il y a des rochers là. Il faut savoir l'ouvrir. Ça va tomber là-dedans, d'accord. On va aller voir là-bas. Donc déjà, il y a des grenades. Il y a une plateforme de où il faut faire quelque chose. Ok, alors. D'accord. Bon, eh bien on y va. Hein. Ok.
Allez, on y retourne. Ok, ça fait tomber les rochers. Il faudra que je les aide un peu. D'accord, il faut d'abord que j'arrive à l'allumer. Donc ça veut dire les flammes qui sont là. Raté. Dommage. Trop bas, hein. Voilà. Et là-haut, il y a quelque chose qui s'est ouvert aussi et... Ok, allez. Très bien, et le dernier. Je le prends avec moi. Donc là... Un des deux, et il me faut un deuxième qui est là. Et donc là-haut, ça a servi à quoi? C'était la même, hein. Bon, bah, il en fallait qu'un des deux pour eux. Bien ça, un coffre. Nouvel équipement, casque hérissé. Ok. Bon, c'est parti, hein. Hop, un petit défi personnel. Vers la statue, hein, toujours. Il y a des ours. Ils sont pas corrompus, on les tape pas. La statue est droit devant. Sur le chemin, on va essayer de faire deux trois petites choses également, hein, mais. Non, on va... Tiens, s'il y a... Il y a un donjon. Enfin, un donjon. Hein. Une faille. Ok, il y a du monde. Il y en a un que je n'ai pas encore fait. Saleté. Allez, je triche un peu. Hop, 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 hop. Calme. Ah,
Hop, une harpie en moins. Voilà. Très bien. Il y a un cyclope là-bas. Bon, on s'en fout un peu, mais... Ok, c'est parti pour ces deux-là. Ah oui, d'accord. Je dois esquiver. Yep. Un peu de vie. Que je trouve ces invocations pour avoir accès au grand. Si déjà je pouvais buter celui au bouclier. Très bien. On va aller se faire une faille. Fardeau d'Atlas. Niveau moyen. Ok, ça fait une boule et ça fait une autre boule. Alors très bien. Non, ça casse pas. Alors tout ça c'est bien joli, mais faut que j'arrive en fait à bouger la boule qui est là-bas. De ce que je comprends, hein. Donc ici. J'ai pas la puissance nécessaire. Bon bah j'ai pas encore le niveau. J'ai pas encore les compétences. Je ne sais pas. Je vais devoir revenir pour terminer cette faille à un autre moment, j'imagine. Hey!
trois boules à venir poser ici. Même plus. Oh, aïe, aïe, aïe. Ok. Dans ces cas-là... Comment on fait pour sortir de là, quitter la crypte Y? Oui. Ah, zut. Ouais, cristal. Sachant que on les dépense à coup de 20. Hein, à la fois. Ah, à coup de 20, à coup de 1000, pardon. Réfléchis, Phénix. Que ferait ton frère? Les Girons s'attaqueraient probablement tout seuls à Typhon, comme la fois où il a vaincu la flotte spartiate. Oh, bon sang. Dans quoi je me suis fourré, moi? Ça, on se le demande. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Déjà, je vois que on peut allumer un feu. On peut allumer un deuxième feu. Là, il y a une torche. C'est une... Alors, ici. C'est tout. Non mais... Non. Qui est là. Alors... Raté. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées de comment je vais pouvoir faire ça. Hein? Ok, la corruption est partie ici. Très bien. Bon, bah on va aller jusqu'à la statue alors. Hein. Tiens, il y a un ours. Il y a deux ours. Assis, l'air de rien. Le pont. Voilà. Alors, explorer la région depuis la statue d'Aphrodite. Oui, donc il faut aller tout en haut. À grimper ici. C'est peut-être pas le meilleur chemin, mais faut bien commencer quelque part.
Hop, là c'est bien. À partir d'ici. Voilà. On a une bonne montée. Alors ici. Phénix tomba sur une créature ailée, facile à confondre avec une fée. Mais sa véritable identité serait bientôt dévoilée. Lorsque Phénix libéra la petite créature enfermée sur l'île, celle-ci poussa un cri. Ce qui voulait dire, grande héroïne, je suis un morceau de Nikkei, déesse de victoire. Libère les autres, afin que je puisse retrouver ma gloire. De gagner sans Nikkei. Elle est comme un gant ou une chose qu'on porte pour courir. Un casque, voilà. Pour le savoir, Phénix devait la libérer. D'accord, mais toi, tu peux me le dire, non? On peut respecter le rythme de mon histoire, oui. Ouais, d'accord. Très bien. Allez, on arrive en haut. Ah ah. C'était quoi cet éclair? Ok, déjà. Ambroisie. Qu'est-ce que c'est ? Une nouvelle quête éclair inattendue. D'accord. Bon. Alors, à partir de la main d'Aphrodite, on pourra explorer. Dans l'ombre de ces merveilles, on y trouve un arbre qui grimpe jusqu'au ciel. La halle des dieux. Le palais d'Eros. Oh, je suis content qu'il ait enfin obtenu son extase. Et enfin, le palais appartenant à la grande déesse de la beauté. Ah ben voilà, comme par hasard, Aphrodite récolte le meilleur emplacement avec la meilleure vue. Bon, tant que personne ne peut la reluquer. Très bien. De cette hauteur, la vue d'une myriade d'oiseaux picorant un magnifique pommier attira le regard de Phénix. Perché que je l'étais le jour où j'ai décidé de marier Aphrodite à Héphaïstos. Tout ça pour empêcher les autres dieux de se battre pour elle. Oui, la vue depuis le mont Olympe est sans pareil. Cela fait des années d'ailleurs que je n'en ai pas profité. Et je vais te dire une bonne chose, t'es pas prêt d'y retourner. Alors, arrête la pleurniche, tu veux? Très bien. Alors maintenir R pour vision lointaine, c'est fait. Un coffre. Une grande lyre. Allez.
Alors, je viens de là. Donc ici. Très bien. Ça c'est fait. Ça on verra plus tard. Hop. Alors là, une crypte. Bon, bah, je pense qu'on a déjà bien des choses à faire. Donc là-bas, il y avait quoi? Il y avait éclat inattendu. Bref, on a des choses à faire et on va s'arrêter là pour cet épisode. On rentre dans le suivant. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et surtout, portez-vous bien. Bye.